Alingala, Alingala, happy birthday, let's go, Alingala, chantons pour Maman Lydia. Oh, you are beautiful. Oh, no.
Oh my God. Happy birthday, Mama Lydia. Wow. En tout cas, vous êtes trop, trop special. I really, really appreciate. En tout cas, merci, merci beaucoup de ce que vous avez fait. Vous êtes trop spécial. Trop, trop spécial. Nous vous en remercions. Maman Lydia, happy birthday. Alors, mesdames et messieurs, nous devons continuer avec le reste du programme. Comme vous savez, on est chrétiens, nous sommes ici, c'est Jésus qui a voulu que nous soyons là. Alors, on doit tout mettre d'abord, tout entre ces saintes mains pour qu'il puisse nous conduire toute cette soirée et que tout ce qui se passera soit conduit que par son amour et par ce qu'il voudra. Alors, pour ceux, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, nous allons passer à la prière. C'est ainsi que j'appelle notre papa, papa Lando, qui puisse venir prendre les micros pour nous amener à la prière et remercier le Seigneur Jésus-Christ. Je vous demanderai d'applaudir pendant que papa Lando approche à l'estrade. Applaudissez. Prions le Seigneur, notre Père Céleste, tu es incomparable, tu es insondable, tu es vraiment digne. On ne savait pas qu'on va arriver à ce jour. Oh Père, nous ne savons pas comment te remercier, comment tu nous protèges, comment tu nous conduis, comment tu nous gardes, comment tu nous assistes. Oh, tu demeures l'incomparable, tu demeures l'insondable. Personne n'est comparable à toi. Oh Père, incroyable mes frères, si nous jetons un coup d'œil en arrière, comment ils se sont mariés et les jours qu'ils ont traversés dans cette terre, c'est vraiment pour nous un grand miracle. Un miracle, pourquoi? Parce que comment tu l'as protégé, comment tu l'as conduit, et on arrive à ce jour ici où elle vient d'accomplir un certain âge qu'elle connaît bien. C'est toi qui as tout cela dans ton programme. Personne ne peut changer ton programme. Personne ne peut te donner des conseils. Ce que tu as prévu, ce qu'elle a traversé, tu savais avant qu'elle puisse naître. Oh Père, nous te remercions parce que pour nous, on ne savait pas qu'on va arriver à ce jour, mais tu le savais. C'est pourquoi nous sommes ici. Pour elle, c'est une surprise. Mais en toi, il n'y a pas de surprise. Tu as connu ces jours avant que rien ne soit créé. Tu as connu ces jours avant qu'elle soit née. Tu as connu ces jours ici avant que nous tous puissions être sur cette terre. C'est pourquoi, Seigneur, nous te confions notre soeur, notre fille. C'est toi qui l'as placée à côté de notre fils plus. Père, tu l'as placée à côté de ton serviteur pour qu'elle puisse le consoler. Parce que chaque femme doit consoler son époux. Qu'elle puisse, cette année 2019, que ce soit une année pas comme les autres. Une année de transformation. Une année de changement. Oh Père, les épreuves passées, nous croyons qu'elles sont passées. Et aujourd'hui, nous jetons un nouveau regard auprès de toi, notre guide, auprès de toi, notre sauveur. Protège-la, Seigneur. Garde-la. Assiste-la, Seigneur. Que tous les projets que l'on a montés contre notre sœur soient aujourd'hui sans effet, au nom de Jésus-Christ. Nous demandons cela avec autorité, parce que tu nous as donné cette autorité, Père, de chasser les démons, de chasser les diables, avec tous ces programmes, avec tous ces projets. Et aujourd'hui, Père, que notre sœur soit sous ton contrôle, qu'elle puisse maintenant vivre heureusement à côté de son mari, qui est ton serviteur. Nous croyons, Père, que nous aurons un changement. Nous avons confiance en toi. Que tu puisses encore la protéger davantage. Et que tu puisses, Père, purifier ses pensées, purifier son être intérieur. Oh Père, que tout cela
soit sous ton contrôle. Nous demandons encore, Seigneur, que l'œuvre que tu as commencé en elle, que tu puisses poursuivre cette œuvre-là. Une œuvre de transformation, une œuvre de protection, une œuvre d'assurance, une œuvre d'assistance. En toi, il n'y a rien d'impossible. Fortifie notre foi, Seigneur, que nous puissions croire aujourd'hui. Cette manifestation apporte beaucoup de choses nouvelles dans ce couple. Et nous avons la confiance, Seigneur, qu'en toi, c'est la réussite totale. Ce qui se passe dans le naturel, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Assiste, sois ton serviteur, que tu puisses encore fortifier sa foi, que tu puisses l'assister encore, Père, pour que les deux soient davantage unis pour toujours jusqu'à la fin de la route. Oh Père, bénis toute l'assistance. Ils se sont sacrifiés pour être ici, mais c'est toi qui protèges, c'est toi qui conduis, que tu puisses les bénir, que tu puisses les assister, que tu puisses les fortifier. Et encore une fois, bénis les parents qui sont au Congo, et bénis les frères et sœurs à travers le monde pour cet événement de croyant, comme c'est transmis, que partout ils vont suivre cela. Ils sauront vraiment que tu es un Dieu de miracles, un Dieu qui produit des prodiges, un Dieu qui est insondable. Oh Père, que tu sois loué pour cela, que tu sois glorifié pour cela. Et nous croyons que notre requête est arrivée à ton trône de grâce. Et tous les projets montrent contre l'ennemi pour cette manifestation soient aussi sans effet. Nous vivons un monde pas comme les autres, un monde qui est en ténébreux, un monde qui est sous contrôle du diable, mais quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, tu es l'incomparable, tu as la victoire, tu as tout vaincu, tu as tout renversé, tu as tout transformé, et aujourd'hui, nous avons fait l'assurance que tu as exaucé notre requête. Bénis la suite du programme et que tout soit pour ton honneur et pour ta gloire. Et maman Lydia, elle est ici, c'est son anniversaire, mais nous devons savoir qui elle est. Il y a des Stella qui connaissent ses mains, ils savent que non, c'est maman Lydia. Maman Lydia est née quelque part, maman Lydia a une famille, maman Lydia vient de quelque part. Alors, on doit savoir qui est maman Lydia. Serge Omega, dites-nous un peu, qui est maman Lydia? Voyons voir qui est maman Lydia. Avec le peu de mots que j'ai, maman Lydia est née le 23 janvier 1979. Elle est née d'une famille pastorale dont nous tous nous connaissons. Son père se nomme Baruti Kasongo Léonard et sa mère, Maman Alphonsive, dont nous l'appelons Maman Afo. Maman Lydia a des frères et des sœurs. Elle a 2 frères et 4 sœurs. Le premier se nomme Bob Baruti. Il est à Kinshasa. 3 sœurs, je m'excuse. La deuxième, c'est Naomi Mwali Baruti. Elle vit au Canada. Et puis vient notre très chère mère, Maman Lydia Baruti Moussala. Et puis nous avons le pasteur Carlos Baruti, qui est à Kinshasa, pasteur de Boma. Nous avons maman Rite Baruti Atapis, qui est à Charlotte, North Carolina. Et puis nous avons Rebecca Baruti Kasongo, Charlotte, North Carolina. Maman Lydia est mariée à notre très cher pasteur, le pasteur Plusmen Landou Moussala. Applaudissez pour le pasteur! Applaudissez! Et elle a aussi sa fille qui se nomme Divine. C'est un peu ça. Donc, juste un portrait de Maman Lydia. Voilà, acclamez pour ce petit portrait de Maman Lydia.
Ok, on va continuer. Mesdames et messieurs, comme vous savez que c'est une fête d'anniversaire, il y aura beaucoup de surprises. En tout cas, Maman Lydia, tenez vos biens, vous aurez tant de surprises aujourd'hui. Voilà, mais tout d'abord, j'ai une petite communication à vous faire. Voyez comment s'ouvre la salle. Elle est tellement jolie, très belle. C'est l'œuvre de quelqu'un. Quelqu'un s'est sacrifié pour nous décorer cette salle comme vous la voyez vraiment. Alors, pour ces. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir. Et c'est là où se trouve, elle s'appelle Maman Angèle. Applaudissez pour Maman Angèle. Son œuvre, c'est Adonai Décor. Vanité des vanités. Elle m'a dit, dites-vous frère. Elle est où, Maman Angèle? Au revoir, Mère Angèle. Elle est là. Elle est là. Voilà, elle m'a dit, dites-vous sœurs et aux frères. C'est lui ou celle qui a déjà trouvé son yo-yo pour le mois de février. En tout cas, pour taper là, il y a des petites cartes qui se trouvent sur vos tables. Ces cartes, appelez ces numéros-là qui sont affichés. Vous aurez tous les accords que vous voulez pour vos fêtes. En tout cas, préparez-vous bien pour cela. Alors, mesdames, messieurs, nous devons continuer avec le programme de ce soir. Maman Lydia, comme je vous ai dit, il y aura beaucoup de surprises pour vous. Voyons voir d'abord la première surprise. Elle nous vient de quelque part. Je ne dis pas. Là où elle vient, on sort là. Elle vient d'où? Non, elle ne dit pas. C'est le président. Yes. Voilà, Maman Lydia. Apaisez-vous. Voilà. Ainsi, je demande à notre ingénieur Junior Awala de nous balancer notre première surprise. Regardez bien cet écran-là. Voilà. Regardez. Maman Lydia, pas continuer ici. Pour ton anniversaire, je voudrais te souhaiter un heureux anniversaire et combien ma famille t'aime aussi. Que le Seigneur te bénisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'accorde selon les désirs de ton cœur, ma soeur. Que dans les années à venir, que tu sois en succès dans ton mariage, dans la famille, partout. Dans tout ce que tu veux, tu désires que le Seigneur te l'accorde. Au nom de Jésus, je t'aime beaucoup. Bye. C'est la sœur à Maman Lydia, elle vient du Canada. Voilà, la première surprise. Bienvenue, Maman Naoumali. Oh, comme elles sont jolies. Le travail bien fait de notre pasteur Barouti Kassam. Oh, Maman Lydia. Wow, c'est joli. Welcome, Maman Naoumali. Voilà, mesdames et messieurs, nous devons continuer. Maman Mali n'est pas venue seule. Il y a une autre surprise, Maman Mali, tu te bien. Regardez. Elle est où? Où elle est? Qui puisse être? Ah, me dit, ils sont deux. Quelle est ici dans la salle? Venez s'il vous plaît. Ouvrez les portes. Oh. Est-ce que c'est le salut? Ah, vous pouvez faire un petit lolo?
cette très belle mélodie, en tout cas, nous vous remercions. Merci, révérend Mathieu Kinda. Alors, mesdames et messieurs, en tout cas, si pas vous, moi, je fais. Je fais. Mon homme, moi, je vais noter quelque chose. C'est la fête, n'est-ce pas? On doit manger, n'est-ce pas? Perdu dans le péché, au loco taquina, au soukola, la matila, la eria, botouina, au papo, la rame, fou, la salle, la yo, la boa, la rame, je te souffle tout le jour, juste avant d'aller souffler, la zala, c'est la yo, car mon monde est riqué, tout le monde est riqué, tout le monde est riqué, tout le monde
a special woman. It takes a special woman to be a pastor's wife, for it is not an easy task or a simple way of life. You are a model for us, your children. You are always there as a faithful friend to offer a word of encouragement and a beautiful smile. You are prepared to meet the challenge that lies before you. You encourage the pastor, and you share it both days and nights. You are often in the shadow, but your love and compassion shine so bright. We thank God that you are a pastor's wife, and for your birthday, we pray that your dreams come true. May you receive more than good faith. Us, your children, love and appreciate you a lot. Happy special birthday, Marlidia. Happy birthday. S'il vous plaît, acclamez, acclamez. Acclamez pour la sœur Rachel. Elle avait un mot spécial pour notre maman. Je vais embrasser le Fabrice. Nous passons à la deuxième personne. Vous allez écouter ce qu'elle va nous dire. Oh, a woman of God. A woman of God can never be a woman of the world. The world has enough tough women. We need more women who are tender. There are enough women who are cursed. We need more women who are kind. There are enough women who are rude. We need more women who are refined. There are enough women of fame and fortune. We need women of faith. We have enough greed. We need more goodness. We have enough vanity. We need more purity. We have enough naked women. We need modest women. We need role models. We need women who can set an example for us. We need Christian women like you, Mama Lydia. Happy birthday to you. Acclamez pour la sœur Kiria Menga. C'était le petit mot qu'elle avait pour sa maman. Et nous avons aussi apporté un petit cadeau qui va vraiment plaire notre maman. Il va le plus joyeux anniversaire. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que le père. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Et se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle accueille le fruit de son travail. On plante une vie. Elle plante une vie. Elle sait le fort serein et elle a fermé ses bras. Elle sent qu'elle sait qu'elle gagne et bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indige. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait de couverture. Elle a de vêtements de fin lin et de poudre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait les chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est vertu de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain du paresse. Ses fils s'élèvent et la guisent et raisent. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses tous. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la louent. Happy birthday, Mama Lydia. Au nom de tous les jeunes de Dallas Forward Christian Assembly. Oh,
C'est pas fini, il y a encore une autre surprise de la Belgique. Voici maman Godet avec l'ingénieur Junior. Maman Godet. C'est pas fini, on a encore une autre vidéo du pasteur Franck. Comme d'habitude, nous avons conseillé, nous avons associé à une famille.
Cette fois-ci, nous avons la sœur Flora, provenant du Canada. Suivez la sœur Flora. Voilà, cette vidéo-là, c'est du Canada. Suivons. Il y a encore un autre de notre frère Aigle Gilles. Notre frère Aigle Gilles a envoyé sa vidéo. Voilà, toujours des surprises pour ma vidéo. Thank you.
La dernière surprise, celle-ci, elle est tellement, je vous dis, tellement spéciale. Elle vient de Kinshasa, c'est le pasteur Baruti, le papa à notre très chère maman. S'il vous plaît. Yesu, Yesu,